Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle rediffusion, pour une nouvelle VOD sur Assassin's Creed Valhalla. Il s'est passé beaucoup de temps, hein, on va pas se mentir. Ça fait... Oh, ça doit faire un bon 2 mois du coup qu'on n'a pas joué facilement à Valhalla. Mais ça y est, on est relancé, on est reparti, on va faire des trucs. Donc je ne sais absolument plus où on en est. Du coup c'est rigolo parce que toi sur YouTube tu sais où on en est. Puisque du coup le dernier épisode bah, c'était juste avant, c'est que je me suis littéralement arrêté là. Donc moi je sais absolument plus quoi qu'on fait. Je crois qu'on est en train de faire des alliances, mais voilà, on va voir. Donc on va reprendre l'histoire et puis ça va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Hein. Bonjour, salut. Soma, Eivor, malgré toutes ces péripéties, tu es toujours là. Je Oui. ne l'oublierai pas. C'est dans l'adversité qu'on a besoin d'amis. Maintenant, allons chercher la tête de Wigmund. Bien. Au premier signe d'ennui, mon équipage viendra. Ah oui! C'est bon! J'ai souvenir, je sais. En fait, c'est Madame Soma qui est là, qui avait trois alliés, trois hommes de main, et en fait, il y en a un, il l'a trahi, et du coup, il fallait trouver qui c'était, on l'a défoncé. Et là, on va aller casser la gueule au connard qui, du coup, appartient à l'ordre des anciens, machin truc, et qui avait chopé le traître, qui bossait avec le traître. C'est bon, je me souviens. Je me souviens. Hop là. Bonjour, bonjour. On vient casser la gueule. Il se cache au sommet de la colline. Je le sais. Ouais, bah. J'espère que le paysage lui plaît. Il n'en verra aucun. On va tout cramer, hein. Si on me voit, ça on va tout cramer. Tiens, voilà. Hop là, tais-toi, tu meurs. Tu te tais. Toi, au premier. Par contre, j'ai tellement plus les touches. C'est quoi déjà pour l'esquive? Ok, c'est Alt. Très bien. Très bien. Faut vraiment que je retrouve les raccourcis, hein, parce que là, j'ai oublié. Hop, allez, vas-y. J'adore les dagues. J'adore les dagues. Hop là. Top, 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 top. Hop, hop, hop. Je t'ai vu, toi. Hein. Allez. Hop. J'ai plus d'endurance. Elle a une posture chelou la PNJ. Quel PNJ? Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas gentil. Aïe, ah. J'ai plus les réflexes, hein. Oh, j'ai tellement plus les réflexes. Oh, on le sent, hein. On le sent. Top. Tu te tais, tu meurs, hein. Voilà, merci. Ça fait longtemps. La première qu'on a vue, Soma? Je sais pas. T'as une posture bizarre, Soma? Non, ça va, elle a l'air d'aller bien. Elle a l'air d'aller bien. Tu dois nous laisser, et bah bon travail. Merci d'être passé. J'espère que tu as passé un bon début de journée avec nous. Et puis bah peut-être à bientôt. Dans tous les cas, il faudra que je te rebip pour te dire quand je t'aurai envoyé l'argent. Ah! Aïe, aïe, aïe. Tu fais mal. Tu fais mal, monsieur. Tu fais mal. Tu... J'aime pas, hein. Voilà, hein. Tu meurs. Voilà, merci. Alors, c'est par où? Bonjour. Bonjour. Voilà, salut, salut. Voilà. Tu meurs, merci. Il est où, Wigmund? Wigmund. Ah, par là, il y aura un truc à aller visiter. Il y a des choses à récupérer. Oh là, bonjour. Aïe, mais il fait mal. Il fait mal avec son fléau, lui. Qu'est-ce que c'est que cette idée, monsieur? J'ai tué quelqu'un? Oh, j'ai tué un... Oh, j'ai tué un moine sans faire exprès. Non, mais pardon, mais il était en plein milieu aussi. Il s'est mis sur la trajectoire de ma dague. C'est pas bien aussi de se suicider ainsi, monsieur. C'est pas très bien. Ah mais on a déjà tout pillé ici. Ok. Bon bah on va juste aller chercher Wigmund. T'es où le méchant? Où que tu es? Wigmund. Petit petit petit. Petit petit petit. Voilà, très bien. Voilà, on s'avance, hein.
probablement enterré dans le monastère. Mais oui, mais oui, mais oui. Allez, on élimine. Méchant Wingmoon, t'es caché où? Oula. Le gros marteau, hein. Gros marteau. Hop, 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 hop. Je l'ai esquivé, mais alors par la grâce du cul, hein. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, tut. Je voulais pas grimper sur les murs. Par contre, ça, c'est un des défauts d'Assassin's Creed en général. Enfin, défaut, façon de parler, hein, c'est rigolo. C'est que, en fait, ton personnage a tendance à monter sur les murs, du coup, à des moments incongrus. Parce que, bah, tu es un assassin et que tu montes sur les murs pour te jeter sur les méchants, tout ça. Mais du coup, c'est quand même rigolo, quoi. C'est quand même très rigolo quand ça arrive de manière un peu random, genre en plein combat. Hop, 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 hop. Voilà, merci. Voilà, bonjour, bonjour. Hop, 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 hop. Voilà. Bonjour. Non, il n'y a rien ici. C'est nul. C'est nul. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Il y a un tunnel en bas, donc... Tu es par où, Jean-Jacques? Bon, on va aller voir. On va aller voir, bonjour. On va forcer la porte. Hé, hey, par ici. Eh bah, il est dedans. Salut. Ça va? Ça va bien? C'est l'heure de mourir, hein, s'il vous plaît. Mais si, on peut te tuer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Arrête de parler et meurs. Oh, c'est de violence! Arrête de parler et meurs! Je m'occupe de cette dernière. Allez! Toi, c'est bon. Ah, il y en a encore un. Salut! J'adore vraiment les dagues. Les dagues, il y a une vitesse de dégâts qui est incroyable. Bon, par contre, il faut toucher. C'est mieux. Voilà, merci. Bam, parfait. Propre, propre. Voilà. Bonjour Wingmoon, t'es mort? Bah voilà. Arrêtez la païenne, la pillarde, la viking. Arrêtez-la. Non. Elle veut m'éliminer, me chasser de vos esprits. Battez-vous pour moi! Mourez pour moi! Mourez pour moi! Ce n'est pas ainsi qu'on exige les gens se sacrifier. Leur vie contre la tienne, c'est ainsi que vont les choses. Leur vie ne compte pas, et non ni richesse, ni terre, ni titre. Moi, mon nom survivra. La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais, mais ton nom sera vite synonyme de fléau. Mais même pas, on en a rien à foutre de ton nom. Peu importe. De mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire au-delà de la tombe m'en donnera davantage. Bah non. Malgré tu seras ma mort, mort. Mon ordre survivra ailleurs. Partout ailleurs. Soumettez-vous. Donnez-nous ce qui nous rend bien. Le commerce, les richesses, l'héritage, tout. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous. De Nathan Fillon. Si ton enfer existe, je sais. Quoi? Tu y as ta place. C'est la voix française de Nathan Fillon, le mec. De quoi? Mais oui, il est en train de dire non, mais moi je suis un fils d'eux, donc je mérite de tous vous contrôler, de tous vous diriger, et puis vous devez partir, vous devez mourir pour moi. Parce que vous, votre vie, elle vaut rien, alors que moi, ma vie, elle vaut quelque chose. Voilà. C'était un mec bien. On peut rebâtir des maisons, les cultures repoussent, mais il faut du temps pour rétablir la confiance. Mais tu as une nouvelle amie et alliée, Soma. Eivor et son clan. La fin de la tempête est proche. Tu as raison. Filion. Mais depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir le beau temps. C'est l'acteur de Firefly. D'accord. Ah ! Ah putain, oui, t'as raison ! C'est la voix de Castle !
Mais merde! Mais tellement! Mais tellement! Oh, j'ai même pas tilté! Mais oui, tu as raison! Tu as raison! Mais carrément! Mais carrément! Mais je l'avais pas vu! Enfin, je l'avais pas entendu! Je... Tu l'aurais pas dit, j'aurais pas tilté! Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas tilté! Maintenant, ça me semble une évidence! Je suis en mode, mais oui, bien sûr! Mais oui, il est trop bien! J'aime beaucoup l'acteur aussi! Il est très 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 cool! J'aime bien les rôles qu'il fait en général! Mais pour le coup, oui, carrément! Carrément! Mais carrément! Non, non, mais tout va bien, Jean-Jacques, tout va bien. C'est par où que je dois aller? Va, par là. Ma fille. Par là, par là. Mais du coup, d'accord, oui. Oui. Ouais, Firefly est génial. Firefly est vraiment une très bonne série. Le problème, c'est qu'elle se finit beaucoup trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Bonjour? Ouais, ouais, on est badass, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Bon, bah voilà. Hein. Eivor, tu m'as rendu un énorme service. L'idée de faire venir Galine, d'exposer sa traîtrise, m'emplissait de terreur. Galine, c'est le mec qui est mort, du coup. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Une telle trahison est une forme de mort. Galine s'est tué lui-même. Bien sûr, je me sens un peu plus légère. Le poids que je ressentais a presque disparu. Mais mon cœur saigne toujours. Bah ouais, hein, quand t'as ton meilleur ami qui te trahit... Ta présence me rappelle que... J'ai ceci pour toi. Garde-le en sachant que tu as mon respect, mon estime et ma confiance. Si tu en as besoin, mon armée t'appartient. Oh, bonjour, monsieur chat. Somaïar Skonar, tu as ma gratitude. Oh non, 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 c'est mon gros chat, ça. Et il y a autre chose. Attends. Pendant que nous préparions l'assaut, Birna est venue me voir. Voilà. Nous sommes parvenus à une sorte... C'est bien, mon bébé. Le mieux est peut-être qu'elle t'en parle elle-même. Ok. Au revoir, Eivor du clan du Grand Corbeau. J'espère te revoir bientôt à Grand Bridge. Non, mon gros chat, tu restes avec moi. Moi, tu restes avec moi. Tu t'allonges. Voilà. Tu t'allonges. Tu veux bien mon bébé. Eivor ! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Drengre. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Oui. Nous nous sommes bien battus. Et Grand Bridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. Oh, la ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme larme dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grand Bridge et à sa populace. C'est noble, oui, mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs, avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau? Et naviguer et piller en ta compagnie, si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça? Je suis ravie de t'accueillir, Drake. Bon bah, on a un nouveau... une nouvelle, du coup. Ok. Et du coup, on a fini une alliance. On va aller confirmer. Mais du coup, ça fait une alliance de plus de valider. Alors, monde. Ah, il y a des équipements qui traînent. Hein. Ah. Il y a des équipements qui traînent. Au niveau des quêtes, on a quoi? On a qui, quoi? Ouf. Qu'est-ce que c'est? Ah, bah la France, si, tiens. Justement, aller casser la gueule. Commercer avec l'Irlande est débloquée. On peut aller voir l'Irlande. Parce qu'on est plus que 55, non? Non, c'est pas là. On est 61, donc oui. Oula, mais attendez, c'est nouveau ça. Mais il y a des choses qui sont apparues. Oh, il y a des choses qui sont apparues.
Oh! Mais c'est qu'il y a des choses qui sont apparues. Qu'est-ce que c'est ça? Frisson guerrier, les Vikings adorent combattre. Tant que vous restez en conflit, votre adrénaline augmentera. Oh, c'est très fort. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Là, il y a des nouveaux trucs. Faire 80. Ouais, pourquoi pas. Ok. Ouais, ça je l'avais déjà vu. Ça c'était déjà rajouté avant. Ok. Cette action avec l'oiseau, c'est une bonne idée, mais ça fait très bizarre de se dire qu'il y a un piaf constamment au-dessus de toi. Non. Guerrier loup, augmentation de la fureur à l'approche de la mort. Plus votre santé diminue, plus vous infligez de dégâts. Ça j'aime bien ça. Ça c'est pas mal ça. Œil du Nord, absence d'effet de coup subi. Ça je l'avais déjà vu. Ici, le cœur d'Idun, empreint de la vitalité d'Idun pour régénérer passivement une perte de santé récente après un bref délai. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Et rage froide, pas d'éruption. Hein. Non, ça je crois que je l'avais déjà vu. Ok. Ben, il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Vraiment pas mal. Paf, 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 non. Non. Ah, ça c'est. Oui, ça je vais le prendre. Paf, par ici c'est quoi? Ringe intense. Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal quand même à terme. On va regarder un petit peu si j'ai tout complété. Non, là non. J'aime bien compléter les trucs totalement. Donc voilà, je vais prendre tout ça. Il nous restera à prendre une barre d'adrénaline en plus. Puis on aura complété ce petit truc. Non, c'est Sénine le nom de l'oiseau. C'est Sénine le nom de l'oiseau. Poudre incendiaire pour faire démarrer du feu. Oh, ça a l'air rigolo ça. Pourquoi pas, on verra plus tard. On verra plus tard. L'inventaire, qu'est-ce qu'il y a qui est neuf? Brassard de chevalier Issou. Ouais, Osef. Ici. Voilà, très bien. Donc, je disais, les quêtes. Qui que quoi? Défi des dieux 221, on est très très loin. On a des attaques fluviales. Ok. Et là, on a plein de trucs. On a plein de trucs. Ok. Ouais, on a plein de quêtes en attente à la maison. On a plein, plein, plein de quêtes en attente à la maison. Bah du coup, on va rentrer à Ravenstorp. On va rentrer à Ravenstorp. On va rentrer à Ravenstorp et aller voir un petit peu ce qu'il y a. Non, pas Céline. Non, non, non. C'est Sénine. Sénine. Et du coup, c'est un oiseau qui est effectivement notre vision. Ce qui nous permet de repérer bah, les trucs de quête et ainsi de suite, sauf si on va sur la carte en tant que telle, mais c'est celle qui nous permet de voir vite fait qu'est-ce qui traîne autour de nous. Lénine? Non, c'est pas Lénine non plus. Non. La corne signale une arrivée. Qui cela peut-il être? Oui. La lettre de Randvi. Eivor, deux visiteurs venus de France y sont arrivés à Ravenstorp. L'une est une jeune guerrière nordique du clan du Jarl Sinric, établie près de Paris, et l'autre est apparemment un franc. Ils ont déjà bâti une nouvelle maison d'hôtes à titre de présent de la part de Siegfried, le frère de Sinric. Je ne suis pas clairvoyante, mais il est clair qu'ils attendent quelque chose de nous. Cette guerrière du nom de Toka a réclamé ta présence. Parle-lui et découvre ce qu'ils veulent. Randvi. Donc Randvi, pour ceux Ils qui ne savent pas. Acceptent un festin et bâtissent leur propre logis. Voilà des gens très généreux. Oui. Pour ceux qui ne Il savent pas, semble donc. que le vent me Putain, mais ramène ils à arrêtent lui. jamais! Autant lui annoncer la nouvelle. Je disais. C'est bon, t'as fini de parler? Hein? Oui. Donc, je disais, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas forcément suivi le début du let's play, comme Balkéo, nous sommes donc Eivor. Eivor est là, voilà, c'est Eivor. Nous sommes badass. Nous sommes badass. Et nous avons un frère adoptif qui s'appelle. Voilà, hein? Merde, comment est-ce qu'il s'appelle? Attendez, je vais vérifier. Base de données.
personnage, voilà. Sigurd. Sigurd, bien sûr, donc voilà. C'est notre frère adoptif. On a grandi avec lui. Et le truc qui se passe, c'est que notre père, du coup, donc son père biologique et mon père adoptif, a décidé en tant que roi que c'était chiant d'être roi et de faire la guerre à tous les autres clans du coin. Et du coup, il a juré allégeance à Harald. Harald, le roi vagabond, le roi de Norvège, du coup, actuellement, qui possède tous les... comment dire, qui possède tous les clans de Norvège. Donc il nous a volé le trône, on va dire, techniquement. Enfin, volé le trône, façon de parler, puisque du coup, techniquement, notre père lui a fait allégeance, donc il n'a pas volé. Mais bon, bref, notre frère adoptif, du coup, a pété un câble. Et comme il a pété un câble, parce qu'il voulait pouvoir devenir roi et faire sa vie de roi et tout ça, et que là, il est devenu juste un Jean-Michel random. Ça lui a pas plu et du coup il m'a dit viens on se casse, on va en Angleterre. En Angleterre c'est cool, on peut envahir les terres et on peut devenir roi d'Angleterre en fait. On peut faire d'autres trucs quoi. Et du coup on a dit allez chaud patate, on y va, on va péter des culs. Et donc on est parti ici en Angleterre pour arriver donc à Ravensthorpe. Voilà ce petit village qu'on est venu reconstruire. Qu'on est venu reconstruire petit à petit. Et pour ça il fallait deux choses. Un, il fallait des ressources. On a commencé à avoir quelques ressources qu'on avait embarquées avec nous, puis on a pillé quelques monastères pour récupérer d'autres ressources en plus, ça c'est un premier point. Puis après, au-delà de ça, on s'est fait, bon, on est en train de piller des mecs et tout, on est en train de développer notre village, c'est bien, mais du coup, ils vont peut-être finir par vouloir nous casser la gueule, en fait. Donc il nous faut des alliances, avec des gens pour que, du coup, on se fasse pas bolos, en fait. Et du coup, on a commencé à faire des alliances, donc on a fait des alliances avec les Deschastrayers, la région au-dessus de nous, voilà. Ensuite, là, on vient de faire le Canterbridge, qui on va faire une alliance, et puis on va continuer au fur et à mesure à faire des alliances avec tout le monde, sachant que du coup, c'est grand. Voilà, c'est grand. C'est plutôt grand. On va pas se mentir. Et à chaque fois, vous voyez un petit trait comme ça, hein, c'est que c'est une région différente. Donc là, vous avez la région du Kent, vous avez la région du Sussex, la région de Lumptonshire, la région de Oxenfordshire, et ainsi de suite, enfin bref. Et à chaque fois, il faut faire une série de quêtes qui peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Aller de « on va poutrer la gueule au connard qui est là » ou « remplacer le dirigeant du coin », peu importe. Le but du jeu, c'est de faire une alliance avec le patron du coin, le patron de la région. Et en même temps, continuer à développer, évidemment, notre capitale. Et donc, Randvi, c'est la femme de notre frère adoptif. Frère adoptif qui est parti courir par Mons et par vous pour faire les alliances et tout comme moi. Et le truc c'est que sa femme du coup elle est restée pour diriger la ville quoi, la capitale et les alliances pour ratifier tout bien proprement. Nous en gros on cavale un peu partout, on prend contact avec les gens et quand il faut faire les trucs un peu plus officiels et compagnie ça passe avec Randvi. Donc c'est elle que je suis censé aller voir dans la maison longue là derrière. Et c'est elle qui me laisse des messages du genre « Hey, il y a des invités et tout ça ». Bon, on a un invité ici. Bonjour. Eivor, quel bonjour, plaisir. Oh, Valka. Bon sang. J'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami, tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et ta mère? Oui. Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Bien. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Valka, c'est en gros l'oracle. C'est la flamme du clan qui va voir les mondes des esprits, tout ça, tout ça. Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être là une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux. Et je me surprends à rêver de gloire. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Par ici. Nous t'avons trouvé un endroit agréable au pied de la colline. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu as vu juste? J'ai vu les arbres, l'eau et cette colline. Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert. C'est une c'est sûr que ça change de la neige, hein. Apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Tiens le forgeron. Par les dieux, qu'est-ce qui t'amène?
J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. Ha ! La seule malédiction de cet endroit, c'est son grand ego de forgeron. Ah oui, ça tire à balles réelles en plus. Et de se sentir chez soi. Ça tire à balles réelles. De la vie. Pressens-tu de grandes choses pour nous ? Je n'ai pas besoin de les pressentir. Elles sont dans mon cœur. Du coup, on va où là ? À ta maison ? De souvenirs, elle est par là-bas à gauche. C'est bien toi. Ah, bah rendu. Tu as retenu si longtemps. Pardon. Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur. Dès que je serai installée, il faudra que nous parlions, Ranby. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte là ? Mes réactifs les plus lourds, quelle question. Du plomb, des fanons de baleine, des paillettes d'or. Oui, fais-la travailler un peu. Voilà ce qu'on veut voir. Il semble que le vent me ramène à Ranby. Autant lui annoncer la nouvelle. Mais oui, oui, non, mais je vais lui dire, ça va. D'abord, on finit ça. Hein, une quête par une quête. Cela te plaît ? Oui, c'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ah, pardon, c'est pas le bon sens. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Salve, Eivor. Bonjour. Et qui est cet homme ? Octave, un homme étrange. Je crois qu'il te plaira. Regarde là-bas. Ta maison est droit devant nous. Parle-moi de tes visions. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Tu es bientôt à 100 000 points de chaîne. Chaque fois, les choses que je vois ressemblent moins à des rêves et plus à des souvenirs. Et le père je sais pas si je dois dire que ça me rend heureux. De temps à autre, oui. Il s'adresse à moi aussi. Mais cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Mm-hmm. Tu peux poser ça là. Merci. Bon bah on pose hein. Voilà. C'est bon, je t'ai aidé. Tu es contente ? Y a un truc là. Non, c'est pas posé assez loin, c'est ça. Elle me dit tu peux le poser là, mais en fait faut le poser plus loin. Voilà, d'accord, ok. Ah là là. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installée, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Eivor. Tu es une sorte de messagère des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Mm-hmm. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait t'ouvrir la porte. Ah, c'est là qu'on va se retrouver. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Oui, non, d'abord, il faut faire sa maison. Ok. Merci, Eivor. De rien. Ça, je vous garde la surprise pour ceux qui connaissent pas le jeu. On va aller rendre la quête là-bas, du coup. Hop, hop, hop. On va aller rendre la quête là-bas. Rendez. Où es-tu ? Tu es qui ? Knud. Qu'est-ce que tu Knud fais ici ? Bonjour Knud. Eivor, on a besoin de ton aide. Qui ça on ? Sylvie et Ira ont des ennuis. Nous sommes allés dans les bois. Pas le temps de t'expliquer. Il faut que tu viennes avec moi. Elles vont bien ? Non, elles sont blessées et très gravement. Mène-moi jusqu'à elles. Mais bon bah. On reviendra, hein. Premier rang de vie, hein. On revient. Viens, il faut faire vite. D'ailleurs, en parlant de Valheim, Valheim a bientôt sa mise à jour. Hein. Valheim a bientôt sa mise à jour. Je sais plus quand. Mais ça va pas tarder. Et on va avoir du coup la mise à jour justement qui permet de mieux faire les maisons. Avec plus de détails, de faire de l'agriculture aussi un peu mieux, qu'est-ce je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs plutôt cool. Pas si nous arrivons assez vite. Où est-ce que tu m'emmènes, Jean-Jacques ? Knud ! Où est-ce que tu m'emmènes, petit Coé le Pain ? Pardon, je courais pas encore. De quel côté sont-elles ? Alors... Par ici. Par nous sommes presque arrivés. Oh, un petit renard.
Ah, si seulement on avait quelqu'un dans le chat qui aimait les renards. Mais bien sûr, on sait qu'elle préfère les grenades. Il faut faire vite. Knud, il faut que tu me dises ce qui est arrivé. Je ne peux pas. Tu ne comprendrais pas. Fais-moi confiance. Popopo. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Non, c'est par là. Coucou Himnalaya, comment vas-tu? Beau travail, Knud. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, Eivor. Il a fallu te jouer un tour. Mais c'était l'idée d'Eira. Il est où l'émoticône d'honneur? Non, il n'y a pas d'émoticône d'honneur. Mon attention, les enfants. Mais on a trouvé un chien qui a besoin de ton aide. Il est pris au piège là-dedans. Ah. On s'est dit que tu ne te dérangerais jamais pour un pauvre chien. Eira, un chien ne fait pas ce bruit. C'est pas un chien, ça. Mais un loup, c'est une sorte de chien, non? C'est ce que dit ma mère. Bien sûr. Ouais. Ah, ça, c'est du chien. Eivor, si tu ne nous aides pas à le libérer, nous le ferons nous-mêmes. Inutile. Je préfère m'en occuper. Bon, bah, ok. Ouais. Il faut l'aider. Il meurt peut-être de faim. Le pauvre. Il pleure. Il faut l'aider. Sa famille doit sûrement. Je pense qu'il faut passer par l'intérieur. Mais. Il faut une clé pour ouvrir cette maison. Voilà, la porte est verrouillée. Pas de clé ici. Je dois continuer à chercher. Qu'est-ce que tu me fais, Jean-Jacques? Quoi? Oh, pardon. Bonjour. Putain, mais il est vénère, lui. Hop, 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 hop. Dommage que Wallace ne soit pas là pour te découper. Non mais. Mais il faut que je vois si tu as une clé. Voilà, donc j'ai récupéré la clé. C'est bon. Je vais libérer ce loup. Je vais prier les tirs pour que je n'ai pas à le tuer devant les enfants. Journal du chasseur 1. Les alliances avec les sauvages et les étrangers danois n'apportent aucune sécurité. Malgré mes avertissements, ils invitent des étrangers vikings dans notre village et se mêlent à ces dégénérés. Maudits soient-ils tous s'ils ouvrent leurs portes à ces gens alors qu'ils me la claquent au nez. Je préfère vivre seul à l'abri que dans le chaos qu'ils ont créé. Ok. La table est mise. Il n'est jamais rentré chez lui. Au moins, il aura eu une fin rapide. Ses crânes portent des traces de dents. Le loup a dû l'aider à les tuer. Ok. Cet homme aimait les trophées. Il restera au moins cela de lui. J'avoue. Tout doux. Tout doux. Journal du chasseur 2. La jeune qui traîne et vient réclamer à manger est un bon chien de chasse. J'ai tué tellement de loups que j'en ai oublié le nombre. Mais celle-ci semble avoir vécu depuis assez longtemps hors d'une meute pour avoir oublié ses instincts les plus sauvages et les plus cruels. Si elle se montre utile, je lui donnerai peut-être même un nom. Salut. Attends. Doucement. Dupée par des enfants et tourmentée par des loups. Elle est belle, la guerrière. Et genre... le loup. Tout va bien. Le loup est passé par là. Oui. Tu l'as libéré. Ok. Tu es incroyable, Eivor. Mais il est parti. C'était pas avec un i pour avoir longue et le point du i. Il est peut-être retourné dans sa famille. C'est peut-être que ses parents devaient avoir très peur. Ou sa femme loup. À l'époque, fallait tout faire soi-même. De quoi, on quoi sait rien. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il est temps de les modes old school, pour ça, c'était... Nos parents penseront que des loups vous ont dévoré. Oh, d'accord. Hein? Relève la tête, Knud. Vous avez été très courageux aujourd'hui. Vous tous. Il y a des Enfin, il y a du proto-imote. À l'avenir. Pour réussir à faire des doigts d'honneur. C'est magnifique. Vous comprenez? C'est magnifique. Parce que je oui, sais mais je suis un viking. Vous, il vous reste beaucoup à apprendre. Je suis un putain de guerrier. Peut-être, mais on est trois. Vous êtes des gamins. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Mais. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, des loups. Salut. Et pas notre nouvel ami. Coucou. Reculez. Mais. C'était pas à la bonne distance. J'ai le problème avec les... Ça s'appelle... Eh, mais ils attaquent mon loup. Le problème avec les dagues, c'est que c'est grave pratique, c'est grave rapide. Mais par contre, la portée, elle est pas là.
Les loups, ils sont très mauvais, ou c'est moi? Ouais, ils sont très mauvais. Hein. Je viens de recevoir un SMS qui me demande de préciser les tarifs. J'hésite à répondre. 50€ la pipe. Grâce à notre héros. Quand même. Chien loup. Quand même. Ah, et ben, tu as réussi. Magnifique. Magnifique. Non, ça me plaît pas. Je précise que je connais le numéro. Ah. Bon bah alors écoute, tu gères ça comme tu veux. Écoute, hein, voilà. Trop dur. Je crois pas. Parce qu'il a de bonnes dents. Trop dur. Qu'est-ce que tu en dis, Eivor? Oh, il faut le nommer. Oh, il faut le nommer. On le nomme comment? On le nomme comment? Ulvd, souris ou Crodur? Vous pensez à quoi comme nom? Qu'est-ce qui lui conviendrait le plus selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je connais pas le numéro. Ah, tu ne connais pas le message. Alors, nous avons un Ulvd. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme nom pour le toutou? C'est moche les trois noms. Ça c'est fait, allez. Allez. Allez, cool. Crodur, ça fait penser à Cro-Blanc, donc plagiat de Jack London. Et j'ai pris le pire. Non mais y a pas Yorick. Y a pas Yorick. Ulvd, souris ou Crodur. Non mais c'est pas... Et en plus, il y en a deux en même temps qui font croque-mou. Il y en a deux en même temps qui ont réagi pour dire croque-mou, quoi. Du coup, sinon, parmi les trois vrais noms, qu'est-ce qu'on choisit? Ça se voit, c'est un rongeur souris. Il est gros ton rongeur quand même, hein. Moi, je connais le croque-monsieur. Oui. Souris, c'est le plus de gauche. Sondage? Sondage, hein, allez, on va faire le sondage. Tac. Alors, sondage. Hop, ici. Je vais créer un sondage. Quel nom? Allez, tape nouveau sondage. Quel nom? Et on va marquer, du coup, Ulvd. Ulvd, souris et Crodur. Et on met pas 5 minutes parce qu'il faut pas déconner. On met 1 minute. Vous avez 1 minute pour voter. Vous avez 1 minute pour voter. À partir de maintenant, le sondage est apparu dans le chat. Vous pouvez voter. Votez. Dites-nous quel nom on choisit. Comment va se nommer notre joli petit loup? Dites-nous tout. Quel est son nom? Nom de Deus. Est-ce qu'il va s'appeler Ulvd, souris ou Crodur? Quel est le nom que vous préférez? Je viens de faire de la pub pour deux noms et j'ai absolument pas d'avis. Oui, c'est bien. Votez et éliminez le baillon faible. Le baillon? Le baillon faible? Pourquoi le baillon faible? Puis du coup non, il faut en éliminer deux. Il faut en éliminer deux. Ah, parce que t'es enrhumé. Ah, d'accord. Oh non, mais ça passe. Ouais, voilà, moi j'ai pensé un petit peu le kinky, là, genre... Le baillon faible? Ok, on ne jugera pas, mais ok. Ok. Et alors, le nom choisi est Crodur. Eh ben, ça sera Crodur. Crodur, pourquoi pas après tout? C'est un nom comme un autre. Oh, la violence de la réponse, en vrai. Oh, la violence du nom. Mais vous avez vu sa phrase? Bon, vous avez... ouais, c'est un nom comme un autre, quoi. Tous les cinq. C'est tellement en mode... Ouais, de toute façon, tous vos noms, ils sont pourris. Quitte à choisir un nom pourri, voilà celui-là, mais ils sont nuls, vos noms. Aventure, c'est d'en tirer une leçon. Vous ne pensez pas? Oui, mais c'est ok. Allez, on cavale, les petits. Les petits, le loup. Hein, voilà. On va ramener ça, hein. Alors... Est-ce que vous avez appris quelque chose sur les animaux sauvages, les enfants? Peut-être. Oui, il faut toujours s'en faire des amis. Ce sont de très bons compagnons, très gentils. Ma mère dit toujours de ne pas approcher les animaux sauvages. Elle ne sait rien, ma mère. Et si nous pensions plutôt à tout cela en silence? Ouais. En tout cas, le temps de rentrer. Ouais. Il y a un petit pont ici. Oh, ok.
On dirait qu'il vous aime beaucoup. Bien sûr que oui. On l'a vous auriez préféré Ulvd? T'imagines dans un village, pour appeler ton familier, tu cries Crodur, c'est le moins ridicule. Vous avez vu ça? C'est vrai. N'allez pas le dire à vos parents, d'accord? En vrai, c'est vrai. Maintenant, rentrez chez vous et emmenez votre nouvelle amie. C'est assez vrai. Nouvelle aptitude, meilleur ami de l'homme. Oh. Swag. Et 2 points de compétence. Bonjour. Contente de te voir. Ça va? La nouvelle de la prospérité de notre colonie. L'exo de rabotage du prof de muniserie, les crocs durs. Risque de voir de nouveaux visages. Nous sommes alliés au Danois. Appeler un loup un chien, c'est insulter, non? Un peu quand même. Un peu quand même. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui. Et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Oui. Ravie de sa venue alors. Beau travail. Et bam, une nouvelle alliance. Padapapa. Oui, pardon, je suis à fond. Hein. Et du coup, petit passage de temps. Ah oui, non, genre il s'est passé 3 jours en fait. À une époque, vois-tu, le titre de Jarl était réservé au second du roi, mais cet usage s'est élargi. De nos jours, un Jarl peut être un chef, un dirigeant ou un homme riche ou influent. Le monde est si vaste désormais, divisé en fragments. De toute évidence, le langage lui-même a dû s'y adapter. Une idée intéressante. Chez Holbert, ton père t'envoie pour apprendre, pas pour enseigner. Alors à ton tour, Eivor, fais-nous par exemple un résumé de nos gains récents. Le clan a soif de connaissances. Tu veux que je fasse un discours? Ah, il va falloir faire un discours. Bonbon pour les chats. Parfait. On va mettre le bonbon pour les chats. Juste après le discours. Alors en plus, il me semble que c'est timé. Oh. Mes amis, tendez l'oreille et écoutez un récit de triomphe et de labeur. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée. Après, c'est peut-être pas comme les poèmes. Sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Nous avons noué de solides alliances. L'honorable Ceowulf, roi de Mercy, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarlskona Soma et les Danois de Grand Bridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens de... Tu te présentes comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là? Pop. Alors attendez. Je ne prétends pas égaler Sigurd. Nous sommes quelqu'un qui est un minimum, comment dire. On n'est pas prétentieux. On est quelqu'un de bien. On a fait des trucs. Donc on va dire que je ne prétends pas égaler Sigurd. Ou Sigurd célébrerait mes prouesses. Ah. Je vais pas répondre silence tag, même si j'ai très envie de lui dire ta gueule, c'est mal vu de se vanter chez eux. Non, c'est juste que Dag en fait il l'a mauvaise parce qu'il voudrait être le bras droit et il l'est pas. En fait c'est un vétéran et du coup il est en mode non mais moi je suis plus compétent que toi en fait, je mérite plus que toi. Et le fait est que là à l'heure actuelle, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait en fait, littéralement. Et même pour être précis, il est en mode... Là, nous, on est en mode oui, alors en fait, c'est Sigurd et moi qui avons conclu l'alliance et tout, notamment avec les mecs du Nord. Et en fait, pas du tout. C'est que moi. Sigurd, il a fait littéralement coucou. Vous avez elle va s'en occuper de faire l'alliance avec vous. Allez, bisous. Et il s'est cassé. Donc concrètement, c'est moi qui ai fait toute l'alliance. Donc déjà, je le passe au même niveau que moi. Je trouve que je suis gentil. Mais on va dire que je ne prétends pas égaler Sigurd parce qu'on est quelqu'un qui a un minimum de respect pour Sigurd. Quoi qu'après, je pense qu'en vrai, le connaissant, c'est notre frère adoptif et il célébrerait mes prouesses, je pense. Mais j'ai pas envie de mettre en avant que je fais des prouesses. Donc je ne prétends pas égaler Sigurd. Je ne prétends pas être l'égal de Sigurd.
mais je ne renierai jamais les succès que j'ai obtenus. Puisse la gloire chercher et trouver ceux qui la méritent. Et s'il s'agit de moi, de vous, de n'importe qui, alors tant mieux. Voilà, donc ferme ta gueule. Ainsi je lève hein. ma corne. Quand même, Sigurd, voilà. Puisse-t-il nous revenir bientôt ? Et au clan du Grand Corbeau, peuplé d'amis et de guerriers. À Sigurd ! À Sigurd ! Qu'il revienne nous libérer de toi. Et régalez-vous tous de bière autant que Dag l'a déjà fait. Oh ! Skol ! Oh ! Oh le tacle ! Je crois vivre, Ivor, que je frapperais moins fort si je l'étais. Tes mots sont assez tranchants, va. Mais cela explique ton audace. Crois-moi, j'y vois très clair. Et j'ai devant moi quelqu'un qui cherche à s'approprier une part de la gloire de Sigurd. Mais de quoi, de où ? Alors je pourrais botter en touche en disant profitons plutôt de la fête. Mais non. Tu dis n'importe quoi. Je trouve que c'est pas spécialement intéressant. Et par contre, ma gloire, je l'ai gagnée. C'est un fait. Je peux défendre ça. Donc je vais dire ma gloire, je l'ai gagnée. Il y a assez de gloire dans le monde pour tous ceux qui sont à sa recherche. Et je sais ce qu'on me doit. Voilà comme je pensais. Tu... On nous attaque depuis le fleuve. On dirait des Danois. Des Danois ? Pardon ? Bien. Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Bah on va leur t'aller... On va les défoncer. On va les défoncer. Des Danois. Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre. Les autres, restez ici. Avec moi ! Bon, bon, on va casser la gueule aux envahisseurs. Hein. Et du coup, je me fais attaquer par des Danois. Hein. Attention au coup de dague. Ouais. Hop. Top. Mais avance! Ça me tue de pas être à portée à chaque fois. Attendez. On va faire un truc. J'ai envie de changer d'arme un peu. J'aime beaucoup mes dagues, mais. Inflammation de votre arme après les coups critiques. Oh! Ça a l'air bien. Ça c'est quoi? Hache danoise à deux mains. Donc inflammation de votre arme après des coups critiques, ça c'est bien. Augmentation des dégâts légers lorsque vous sentez presque complète, pourquoi pas. Augmentation de vitesse après chaque élimination. Oh, taper de plus en plus vite, c'est pas mal. Augmentation des dégâts puissants lorsque sentez presque complète, pourquoi pas. Augmentation d'étourdissement après coups puissants. Pourquoi pas sans plus. J'ai envie d'une arme à deux mains. Les pics, c'est souvent un peu relou. Donc je pense que je vais partir sur une hache danoise. J'aime beaucoup le fait d'enflammer. 73, 75, 80, 66, 60... Ok. Donc toi, t'es très forte. 80, c'est plutôt pas mal du tout. Augmentation de vitesse après chaque élimination. C'est fort en vrai. Augmentation des dégâts légers lorsque santé presque complète. Ouais. Et inflammation de votre arme. Ouais. Par contre, elle est plus lourde. Mais celle-là, celle-là est plus rapide. On va prendre celle-là. Elle est un peu plus rapide. Est-ce que ça réveille ton appétit pour ton bar, Albi ? Ah oui ? Je vais te couper en deux. Alors, j'aime bien la grosse hache. Que les dieux te maudissent ! J'aime beaucoup la grosse hache. Oh! Tu te calmes, Billy. Tu te calmes. Tu te calmes. Voilà, tu te tais, tu te calmes. Voilà. Ça suffit, Jackie. Voilà, bonjour! Ah, putain, mais décidément, moi, il est à portée, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Bonjour. Hey.
Voilà. C'est toi, tu meurs. Bonjour. Viking de sang. Mais qu'est-ce que c'est qu'un viking de sang? T'as l'air un peu gros. Un peu trop gros à mon goût. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup. Donc, tu te calmes. Tu te calmes et tu meurs. Hein. Voilà, merci. Wouah. Violence. Bonjour. Allez, hein. C'était sympa, hein. Enfin une vraie arme. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air très hérétique. Ouais, ouais, je pense que c'est un hérétique, le viking, là. Bah, ça marche vachement bien, la grosse hache. Ça marche vachement bien. Ça marche très, très bien. J'apprécie. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Il n'y en a plus. Rien sur les eaux. Si d'autres comptaient venir, ils sont vite repartis. Bah, tu m'étonnes. D'après leur couleur et leur bannière, ils provenaient du Gateland. Mais comme il n'en reste pas un seul en vie, nous ne saurons jamais pourquoi. Peut-être. Oui, 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 je sais, mais ça s'arrête pas les cinématiques, je peux rien. Cette vermine rampait vers le fleuve, en espérant fuir dans l'eau. Aie pitié, s'il te plaît. Et tu trouveras peut-être en nous des alliés. La pitié viendra si tu fais bon usage de ta langue. D'où est-ce que vous venez? Pourquoi nous avoir attaqués? Nous sommes installés depuis peu en Est-Anglie. Et nous avons besoin d'argent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est la Mercy ici. Nous avions des ordres. De Alors, le doublage est pas ouf dans le sens où ça colle pas trop à l'expression, je trouve. Chien inutile à te gratter le train pour une pièce d'argent. Allez, dépêche-toi de le tuer. Bah non. Ton silence ne te vaudra aucune clémence. Alors, pour la dernière fois, qui vous a envoyé? Le vent nous a envoyés. Et les rivières nous ramèneront. Il cherche la mort, Eivor. Donne-la lui. Ou renvoie-le chez lui avec un message. Qu'il dise aux siens ce qui les attend s'ils reviennent un jour par ici. Ouais, ouais, on va le libérer. Va prévenir tes gens que on est en train de les bolos. Pars et ne reviens pas. Voilà, va prévenir tes gars que si vous revenez, on vous défonce. Ce n'est pas de la pitié, c'est une mort à crédit. Avertis celui qui vous a envoyé du massacre qui aura lieu la prochaine fois. Oh oui. Quel récit je raconterai. Fais-le suivre par l'un de tes éclaireurs. Nous saurons si... Ta pitié nous met tous en danger. Elle nous aurait fait passer pour des lâches. C'était la seule fin possible. Nous aurions pu en apprendre davantage. Maintenant, nous ne savons rien. Sigurd aurait agi comme moi. Je n'ai pas besoin d'autres justifications. Sigurd n'était pas là pour prendre cette décision. Moi, je le suis. Et si tu recommences, je lui raconterai tout. Je vois en toi, Eivor. Je sais bien qui tu es. Ne t'inquiète pas de ce que dit Dag. Il montre les dents, mais il ne mord pas plus qu'un chiot. Enfin, il mord pas plus qu'un chiot, il vient de tuer un mec de dos, hein, mais ouais. 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 J'ai des ralentissements à la con. Quand on va couper la VOD, et ça va arriver là soon, je pense que je vais voir pour les graphiques pour peut-être les réduire ou quoi. Il y a un truc qui fait qu'il... On dirait que j'ai reçu une autre lettre. Ah, qui la gouille. Lettre de Randvi. Eivor, deux visiteurs venus de Francie sont arrivés. Mais je l'avais lu ça. Ils apportent un festin et bâtissent. Je l'avais déjà lu. Bon, du coup, je vais juste regarder là. Qu'est-ce que tu me fais? Un petit souci. Okay. C'est pas grave. Alors, lire le message de Norvid. Message de Norvid. Eivor, les dieux nous sont favorables. Dans une grotte proche de Northwick, j'ai perçu une légende. Bjorn le berserker. Un grand ours blanc l'accompagne, et les soldats merciens cherchent sa trace. Norvid, l'éclaireur. Bien. Okay. Bien d'ensanglante. Les berserkers font de féroces ennemis, mais des alliés puissants.
Sa force serait utile à la colonie. Il faut que je le trouve. Ok. Message de Suniva. Eivor, les dieux nous en veulent. Une abbesse saxonne du nom de Wufilda est arrivée dans un petit village de l'Est Anglie, où elle répand des histoires à propos d'un monstre redoutable. Si je n'ai pas encore vu cette bête de mes yeux, elle prétend qu'elle rôde dans la campagne et massacre le bétail. L'abbesse entend mettre fin à ses méfaits, mais elle ne fait pas le poids face à un drogue maléfique. Voilà une occasion d'accroître la gloire de notre clan. Suniva l'éclaireuse. Il faut que je voie cette abbesse, Wulfilda. Ok. On va lire un petit peu tout ça. J'oublie pas les bonbons pour les chats, hein. N'oubliez pas, je le ferai à la coupure VOD. Lettre de Seowulf. Eivor, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé, mon fils et toi. Kjolbert m'a écrit à plusieurs reprises avec des détails si vivants que j'ai eu l'impression de me trouver parmi vous. Il t'admire beaucoup. Tu lui inspires confiance, ça me réchauffe le cœur de savoir que quelqu'un tel que toi veille sur lui. Je sais que tu agiras bien. Quant à moi, je me suis fait, eh bien, de fait, je crois à ce nouveau rôle. Ma cour me soutient et j'ai acquis la loyauté de la population. Pour la première fois depuis bien longtemps, la Mercy connaît la stabilité. C'est grâce à toi. Roi Kéowulf II. Ok, donc ça c'est bon. Là, consultez la situation. Situation de Ravensthorpe hameau. Ravensthorpe grandit vite, c'est désormais un hameau. La vie est plus animée que jamais et attire toutes sortes d'hommes et de femmes. Prends note des possibles nouveaux services et construis au plus tôt les bâtiments correspondants. La cabane de Volva, le bâtiment de cartographe. Valka voudrait que tu lui construises une cabane le plus vite possible. Je pense qu'elle aimerait faire part de visions prophétiques, voire de choses plus profondes encore. C'est assez mystérieux. Parle-en avec elle quand tu auras l'occasion. Nous avons aussi quelques possibilités d'accroître nos moyens en matière de festins et de fêtes. L'élevage de bétail, la ferme à grains, l'élevage de volailles, la maison d'Alvis et d'Olger. Je trouve que tout s'annonce bien. Randvi. Ok, très bien. Et ben, on va s'arrêter là pour la VOD. Du coup, petite fougère de YouTube, des bisous. J'espère que tu as passé un bon moment sur cette reprise de Let's Play. Et puis, à très bientôt.